nous reste plus rien. Il nous reste plus rien que des terrasses vides, zones périurbaines où se retire la gueule en extra-conjugal avec un genre de vieux beau, avec une vieille beauté qui a pris cher aussi, mais qui fera semblant l'espace d'une soirée. Il nous reste plus rien que des buvettes chères, de salles de sport chères, bien à l'écart des mixités sociales, même les plus petites, où se retire la gueule en extra-familial, en extra-quadrillé, de sa petite semaine, de son petit travail, après sa séance de sport, après son tout petit padel, son tout petit jeu de raquettes, sa séance de squash, avec les 2-3 potes à rester, mais qui vont faire semblant l'espace d'une soirée. Il nous reste plus rien dans les travaux à pas finir, les écheveaux de plâtre, les rachats de maisons vermoulues, passoires thermiques, qu'à payer le café, aux ouvriers qu'on tient un peu par les couilles, faut dire, avec le petit jeu des devis, des contre-devis et des avis Google. Il nous reste plus rien qu'à faire un naïf, naïf, avoir au bon vieux mythe de l'enfance, si on traduit. Tapez quoi là, tapez. Les seins, c'est beau. Tapez quoi là, tapez. Peinture, c'est très très beau, c'est très très bien. Tu es le petit centre humide et chaud, comme on dit dans Fight Club, avec Brad Pitt, le téléfilm sur l'anarchisme. Pourquoi pas fondateur du vide de pensée d'une génération, avec dans le même sac des films à parler de drogue, c'est Nothing, elle date des trains fottings en tête. Et des trucs genre idiocratie juste derrière à se parler. Oh mon amour, c'est très très bien, c'est très bien. Pourquoi tu pleures? Il nous reste plus rien qu'à payer 600 balles à 20 mètres carrés dans un quartier pourri d'une ville pas top, dans la foule d'un riche qui n'est pas bon même à payer son café au prolo vu qu'il répare rien, qu'il loue tout dans l'état, pas qu'il est pas dans l'état, le motif Monstera, que tu pourrais gâter presque au carbone au milieu des années 60, cabine douche dans l'état, tu ressors, tu sais pas bien si c'est plus sale ou si c'est propre, et VMC décoratif dans l'état, et champignons noirs au plastique de la VMC décoratif aussi, sans doute, c'est pareil dans l'état, et l'odeur permanente du graillon dans les communs, c'est pareil. Ça va, t'as pas des rats partout non plus, c'est pas Marseille. Les deux plaques de cuisson de merde avec la résistance lumineuse qui a rendu l'âme à peu près à l'époque du papier peint à plan, c'est pareil, dans l'état. Et classe, énergie, G, bilan, GES, F, c'est pareil, dans l'état. Et l'état des lieux de sortie fait apparaître que ta location n'a pas été soigneuse. Et la taxe d'ordure ménagère, ajoutée à tout ça, transforme en dette ta caution. Et on te dit tout ça par mail, le jour J, on verra plus tard. On a un mois pour disposer, c'est marqué dans la loi. Il ne reste plus rien qu'un gros prino filant dans sa Tesla qui s'en brosse les dents. Le peuple a faim, madame. Vendez-lui de la merde. Le peuple a faim, madame. Ok, ta mère, alors. Le peuple a faim, madame. Il faut le dire sur LinkedIn. Le peuple a faim, madame. Il nous reste plus rien. Il nous reste plus rien, mais bon. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Il y a plus de... On a quand même Vincent Lindon.